Peut-être un peu gros là, me sens. Donc là, je vais tester mes dernières laves que j'ai achetées. Donc c'est la marque Meredith. Donc vous trouverez sur AliExpress, bien sûr. Donc il y a 10 pièces dedans. Donc pour je sais plus combien, un peu moins de 2 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais pêcher essentiellement avec les larves. Ce que je vais y mettre avec, donc je vais mettre une larve rouge, un rouge un peu rosé. Au niveau hameçon, je vais pas mettre trop gros. Je vais mettre, déjà je vais déjà y mettre, je vais juste mettre une petite tête 1 gramme. Et je vais lui coller un petit hameçon. Pas trop gros, voilà, assez pour piquer la truite ou la perche, enfin ce qu'il y aura. Donc le montage de ces petites TP là, qui est super bien. Voilà, il n'y a pas plus simple. On prend. Non, je l'ai pris dans le mauvais sens. Voilà. Voilà, on fait le tour. Voilà. Ensuite, on vient y glisser. Vous venez y remettre votre TP. Voilà. Et ce qui donnera à votre larve une. Comment ? Un beau mouvement. Voilà. Qui pourra aller dans tous les sens. Donc, ce qui peut être attractif et déclencheur d'attaque au niveau des truites. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais le but est de hop, voilà, super, voilà une belle petite larve. N'est pas piqué au milieu, ce qui me plaît pas. Voilà. Toujours un peu chiant à piquer. Voilà, je veux bien le milieu. Voilà. Là, comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Voilà. Donc, en espérant que maintenant. Madame Fario se fasse leurrer. Je vais mettre une agrafe sur mon bas de ligne, ce qui donne un peu plus de mobilité. Voilà le mot que je cherchais, ce qui donnera un peu plus de mobilité à ma larve. Bon, ben quand on est au bord de l'eau, faut pas se précipiter, ça sert à rien de courir. Vous essayez de pêcher le plus vite possible. Prenez le temps de bien faire votre montage, ça vous évitera d'avoir des surprises si vous avez un poisson. Voilà. On humidifie. Voilà. Hop. On vient y mettre la larve. Et voilà. Voilà le petit montage que ça nous donne. Alors vous voyez que la larve elle a une belle mobilité. Voilà. Donc dans l'eau, ça va le faire, je pense.
Enfin, je l'espère. Donc j'ai mis une petite TP rouge. Ça, c'est une combien? Celles qui sont déjà montées, on les laisse monter, ça sert à rien. Voilà, hop. Et nous voici prêts à pêcher. Bon, on va se mettre en place et puis on va voir si Dame Fario est en activité. J'espère qu'elle sera en activité. Allez, hop. Allez, je suis un peu emmerdé avec ma pince là. Je vais essayer de la caler comme ça. Voilà. J'ai mes pots là, mais je n'ai pas emmerdé à les mettre. Petite cassure, on va laisser descendre. Hop. Brochet. Ne coupe pas, c'est tout ce que je te demande. J'ai vu arriver dessus. Il est arrivé dessus comme une balle. Voilà. Et ben voilà, déjà pas un capon. Petit brochet. Ah voilà les gars. Un petit broc. C'est pas ce que je recherche, mais bon, c'est un broc. Ah oui, mon gars. Tu t'es fait avoir. Allez, attends. Tu t'es fait avoir. C'est pas ce que je recherche, mais. Voilà, hein, bah, pris avec une petite larve. Hein. Voilà. Voilà les gars, petit broc de. Allez, combien? Combien il fait? À peu près 55, 60 à peu près. Hop là. Petite photo. Et je te remets à l'eau. Et voilà. Petit broc. Bon bah il fait plaisir au moins celui-là. Après un gros capot. Il était planqué sous les herbes. Bon bah tout est éteint. C'est parfait. Voilà. Hop. Voilà les gars, dans le petit broc de 55, 60, allez laisse-moi faire,
Voilà. Hop. Voilà. Et comme ça, j'ai déjà coupé. Voilà, donc une petite petite release. Et hop, allez va mon gros. Merci pour mon anti-capot. Ah merde, j'ai pas pris la photo. Quel con. J'ai pas allumé. Quel con. Ah oh, bah tant pis. Il faut être con sur ce coup-là. Faut être con sur ce coup-là. Ça c'est clair. Voilà, donc je prends une photo, mais j'enclenche pas le minuteur. Donc ben, tant pis, c'est pas grave. On l'a en vidéo. Je pense qu'on va le voir. Je pense qu'on verra l'attaque sur le. C'est de démêler tout ça. Ah la putain la vache. Ah putain, pas vrai hein.